Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui vise un petit peu à répéter ce qui a été dit en cours. Hein. On a quelques-uns d'entre vous qui rencontrent des problèmes de mise en application du cours d'ombre dynamique, et notamment des ombres dynamiques sur des plans inclinés. J'ai repris les interrogations d'une de vos camarades. Et j'ai essayé de respecter son brouillon sur lequel elle avait elle rencontrait des problèmes. Donc on a un intérieur on a un intérieur sous toit incliné là. Hein, on voit le point incliné. Sur une construction d'une grille à deux points avec P1 ici et P2, vous pouvez le deviner un peu plus sur la droite. Et ne pas oublier que le plan incliné n'est pas parallèle quand il est dépendant de deux points de fuite. Le point incliné va dépendre d'un point P' qui va être à la verticale du point de fuite qui est là-bas. Hein. C'est comme les escaliers, c'est exactement le même principe. Donc, on a trois éléments qui nous posent un problème de projection des ombres, sachant que la source de lumière est ici. Premier élément, le plus classique, il est là. Le deuxième élément, il est là, et le troisième élément est ici. D'accord. Comment va-t-on faire? Alors bon, la source de lumière. Alors là, c'est arbitraire. Hein, je décide qu'on est perché quelque part. Hein, et comme je vous le rappelle, on a besoin d'un point L' pour savoir où est-ce que ça va taper. Je vais le mettre à peu près ici. Voilà. L' est là. J'espère que vous le voyez bien. Hein, ici. D'accord. Donc au niveau du premier élément, je rappelle ce qu'il faut faire. On prend le coin ici. On l'emmène à L'. On prend le coin en transparence, c'est quand même important de le mettre là-bas. Ces points-là, en fait, sont à l'aplomb au sol, de là où la lumière va percuter au sommet de ma forme. Hein. Donc, le deuxième point qui est relié à L' là-bas. Donc tout ça, c'est une forme qui est indépendante de la grille au sol. Hein. La grille au sol de construction dépend de P1 et de P2. Les ombres vont dépendre de L et L'. Il faut vraiment veiller à détacher ces deux éléments. Troisième élément par là-bas. Après, à partir de L, je construis mon premier élément là. Et j'ai mon intersection ici. Je construis mon élément là-bas. Et je construis mon dernier élément ici. Part de là, on passe par le sommet, toc, et on croise là. Donc par rapport à la construction, on remarque que cette boîte, elle est assez proche du mur, et fatalement les points de repère qui vont me servir à construire mon ombre sont au-delà du mur. Le truc, c'est que quand ma ligne ici qui tape à la base de mon point arrive dans le mur, ici j'arrive à l'intersection avec mon mur, et là je vais faire une verticale. Comme ceci. Donc mon point sur le mur, il va être là. D'accord.
Je fais la même opération avec ce point-là ici, croisement sur le mur. Là, je monte une verticale. Attention. C'est parti. Poc. J'ai trouvé ce point-là. Alors là, je vais la faire en bleu parce qu'elle est derrière la boîte. D'accord. Et enfin, toujours derrière la boîte, j'ai ce point-là. Voici donc comment mon ombre... Je vais prendre une autre couleur. Ouais, je vais la travailler comme ça. Voici comment mon ombre va se comporter. Toc. Toc. Ces deux points-là sont unifiés. Bon, jusque-là, tout va bien. Et là, le truc, c'est que... Alors, bon, on va le voir en transparence. Hein. Bon, je vais le faire comme ça pour que vous le voyez. Toc. La logique voudrait que le point au sol là-bas, ça reliait à celui-là. Donc, la logique voudrait que ma troisième onde descende comme ça. Par derrière. Je vais la faire comme ça. Et là, je suis au-delà du mur. Ici. Le mur est là. Et bien voilà. Sachant que ça, c'est sur le mur, on va relier ces deux points-là. Voilà. Traduction. En imaginant qu'on ait une paire de lunettes à rayon X, mon ombre, par derrière, va ressembler à ça. C'est vrai qu'on n'est pas censé voir à travers l'objet, mais je préfère vous montrer l'exemple parce que pour peu que ça soit une table, une structure creuse, fatalement l'ombre on va la voir. Et là, on va avoir ça. Voilà, ça, pardon, c'est l'ombre telle qu'on va la voir, vraiment. Voilà, ça, c'est pour l'objet numéro 1. D'accord. Voilà. J'espère que... C'est vraiment lisible. Je vais renforcer un peu l'ombre derrière pour que vous puissiez bien la voir. Là, on a le mur comme ça. Et là, on a l'ombre qui sera au sol. Ne pas oublier que l'ombre portée, donc celle qui est portée vers la surface, est toujours plus foncée que l'ombre propre. Là, on n'a pas d'ombre propre par rapport à ce cas de figure, mais il est possible que dans les autres cas de figure, on en rencontre un. Voilà, ça, c'est pour l'objet numéro 1.